C'est aujourd'hui que s'achève la troisième année de notre expédition. Notre Calypso a parcouru environ 140 000 milles nautiques. Et à eux tous, les plongeurs ont totalisé 14 mois sous la mer. Ce bilan est pour nous un encouragement. Nous nous apprêtons à poursuivre notre aventure plus loin, plus profond. André Laban, l'idéal, c'est une tranquille après-midi passée avec ses tubes de couleurs, son chevalet, sa toile, enfin seul, loin de tout. Seul, à l'exception de l'inévitable Badaud. Mais à 30 mètres sous l'eau, il y a tout de même des grâces d'État. Laban se verra épargner la sempiternelle question « qu'est-ce que ça représente ?» Et le Badaud n'aura pas à méditer sur une réponse à peu près aussi originale. Contemplant son travail, Laban devient songeur en évoquant sa première grande exposition. Célébrité, critique, champagne, musique, dans une galerie de Los Angeles. C'était bruyant, gai, amical. Et le tout Hollywood était là, fantastique, disaient les visiteurs, audacieux, vigoureux, d'une belle fraîcheur. Les adjectifs réchauffaient l'atmosphère et le cœur de Laban. Alors quoi, rumine Laban? Pourquoi personne n'a-t-il dit combien ?